Je raconte pas le gymkhana pour les cadreurs, yeah, les backliners d'ailleurs. Thanks a lot for coming in that program. Merci, hey, thanks for having me, Nagy. Liguan, Iggy Pop, donc présent. Is that true that you're living in Mexico or Mexico or in a place else? Half in the East Village in New York, half the time in Mexico. Yeah. Voilà, à moitié de son temps donc il est à New York, à moitié de son temps il est au Mexique. And in Mexico, you have a garden. You are working in your garden. Yeah, I have a little garden. I work in the garden. It's nice. Are you kidding? No, I love it. You know, you the rebel. I mean, in your garden with the flowers, stuff like that. I love the flowers. That's true. They talk. I talk to my flowers. Ah, okay. And you smoke. You smoke the flower too, or? No. Okay. Donc, il a un jardin dans le Mexique, dans sa maison, et il le cultive. Il adore les fleurs. Il parle aux fleurs. Les fleurs lui parlent, et voilà. C'est tout être joli. Je t'aime. No. Oh, you're too kind with me. Oh, to the flower. Ah. To the flower. Okay, yeah. I was afraid. D'accord. Donc c'est ce qu'il dit aux fleurs. You write your song in Mexico or in New York? I mean, what mood do you need to write songs? Half and half. To go to Mexico is like turning your back on America and all the media and the BS. It's like turning your back on a bull. It's okay. Very dangerous, you voilà. Know? Alors, ce qui est, je vais y arriver. Alors, partir donc à Mexico, c'est tourner le dos à New York, aux médias qui tchatchent et à tout ce qui se passe là-bas. Et tourner le dos à un pays comme New York, c'est comme tourner le dos à un taureau. Ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'il fait moitié-moitié, mezzo-mezzo. Would you mind, il y a des questions dans le public, would you mind people of the audience asking you some questions? No, I'd be pleased. I like voilà, to il adore talk to ça. People. Yeah? Even private questions or... Yeah, it's good. Any question, voilà. Yeah. Toutes les questions sont bonnes. Pour Iggy Pop, ben on y va, Valérie. J'ai Christophe qui a vu le dernier concert d'Iggy et sa question justement porte sur ce concert. Okay, Chris, I've seen your last gig
in Paris. And oui, je voudrais savoir pourquoi Guy a pris l'habitude de montrer son sexe sur scène. Why are you used to show your dick on stage? Well, I don't do it every night, you know. Il le fait pas tous les soirs, non. Just sometimes to check if it's still there, or est-ce que c'est une manière de vérifier si c'est toujours là ou. It's a personal problem. C'est un problème personnel. Well, it's a personal question. You say, okay, it's possible, but depends of what. Ça dépend de quoi. It's a personal thing. I'll tell you what it is. Sure, it's a personal thing. I'm sure. C'est sûr que c'est personnel. Oui. I hate so much in a lot of entertainment and music. I think everything has gotten so like a package. Voilà. And it's all straight and commercial. All fake. And I want to try to break through. Sometimes when I feel like I'm not breaking through, just in desperation, when I'm desperate, I just say, okay. Here's my dick. Here's myself. It's not okay. The dick. It's just to violate, to break Donc, through. Il estime qu'il y a tellement de concerts. It's not the problem, that's okay. Il estime qu'il y a tellement de concerts qui sont du commerce, un package finalement très du marketing, et c'est comme ça, c'est tout est réglé, tout est en règle avec les répétitions, qu'il a envie de violer cette règle instaurée par plein d'artistes sur scène et qu'il a envie d'aller plus loin. Donc la seule manière de faire, c'est d'arracher ses vêtements, pas spécialement de montrer son sexe, mais de dire me voilà, je vous donne ce qu'il y a à donner. Voilà. Satisfait de la réponse, Christophe? Écoute, on attendra le prochain concert, je crois, hein, parce que ce soir, donc, il veut attendre. On s'arrêtera là. Mais si tu veux en voir, il y a des endroits pour concert, ça, vieux. Ouais. Hein, c'est he just say that he will wait the next gig to see your dick, but I just say there is a special place for that if you want to see your dick. I think if he has a problem with my dick, it's his problem, not my problem. Voilà, si tu as un problème avec sa bite, donc c'est ton problème et pas le sien, on va y arriver. Non mais tout va bien, ok. No, he was just kidding. Okay. I'm happy with my dick. Voilà. It's fine. J'ai jamais vu l'interview comme ça, mais bon. Special interview, but that's fine. Autre question, Valérie. Alexis, qui est musicien et qui vient de monter un groupe, et je crois qu'il voudrait demander des conseils à Guy. Oui. Bah, j'aimerais monter le son, le conseil. Hein. J'aimerais savoir s'il a déjà aidé des petits groupes. Did you already help some brand new band, some local band? For producing or for label record company and stuff like that. Do I know any local band? No, did you help them? Oh, do I help? By producing, by giving names or label or asking for signatures? Yeah, stuff like, there's a band called White Zombie, and I play on their video and on their record. For free? Yeah, for free. And got a lot of them. I play with the Cramps, but they're not really local. They're, you know. Yeah, they're well known, yeah. I usually play with anybody who asks me, basically. Ok, donc il a aidé un groupe qui s'appelle White Zombie, enfin aidé façon de parler. Ils lui ont demandé de venir chanter dans le studio et de participer au clip. Et il l'a fait gratuitement, simplement pour promouvoir et pour que la rumeur dise Iggy Pop est sur l'album et sur la vidéo. Il l'a fait aussi pour les Cramps, mais ils avaient peut-être moins besoin d'aide. Est-ce que the fact of being with your friendship with David Bowie and your voice and stuff like that, did it help or? In fact, voice? Yeah, your voice or your style or the moment you share with David Bowie. Est-ce que tous les moments qu'il a partagé avec David Bowie, le fait d'avoir souvent la signature de David Bowie sur ses albums, est-ce que ça l'a aidé ou au contraire, est-ce que ça a été un inconvénient? Was it an inconvenient or did it help you? Do you mean did it change my voice or the no, way no, I... No, not changing your voice. I mean, having the same roots than David Bowie. I'll tell you what it was really good was he's very European and I'm very American. And through him... I gained an entree into European culture and learned to appreciate it. Voilà, donc David Bowie est le côté européen, lui c'est le côté américain, et grâce à David Bowie, il a pu pénétrer la culture européenne, l'apprendre et comme ça l'avoir un tout petit peu plus en lui. Iggy, why is there a cover on your album, on your last album? Pourquoi y a-t-il une reprise? Everybody was waiting for the music, Arizona Dreams music. Tout le monde attendait la musique d'Arizona Dreams sur l'album. There is not Arizona Dreams music, soundtrack on your album. Yeah. At first, why? Pourquoi? That was a soundtrack. Arizona Dream is soundtrack something of Arizona. Else. Yeah, something different. Okay, c'est quelque chose de différent. C'est la bande originale d'un film. Yeah. Would you sing it on stage or not? Est-ce qu'il la chantera sur scène? Sure, I would. Voilà. It's very good music. I will probably learn it and do it when I play Zenith.
Ok, donc il va l'apprendre, il va la jouer au Zénith. Et, I mean, learn, play, rehearsal. Yeah, I mean, voilà. Yeah, I have the band, because I didn't, I this was recorded with gypsies, with another, these guys d'accord. are American, they're not gypsies. D'accord, they're donc American il va l'apprendre right, avec yeah, son, yeah. son groupe de gitans yeah, américains. Yeah. And why this cover, Louis Louis? Pourquoi faire une reprise sur son album? Did you need a cover? Est-ce qu'il avait besoin de faire une reprise? I love, why did I do Louis Louis? Là. I love Louis Louis, because it's a basic song which really almost all rock songs are Louis Louis anyway. Voilà, c'est la chanson la plus basique qui peut être finalement les racines ou la racine de toutes les autres chansons rock and roll. Did you decide on your own or is it your record? No, I was being pressured by a greedy management of my record company. Like what? What did they say? Hey Iggy, you know your new album, it's a very nice art, but where's the hits, man? Give me the hits, you know. And so, so it was it I like I see you want a hit, here's Louis Louis. It was a joke. Ok, d'accord. It was a joke. Donc yeah. en fait, la base de l'histoire, c'est la maison disque qui a écouté son album et qui a dit, dis donc Iggy, il est où le tube là sur l'album? Donc lui, il est parti, il est revenu avec une reprise de Louis Louis en disant, si vous voulez un tube, en voici un. Donc il a pris un vieux tube. Et il a pas envie de se casser la tête. C'est typiquement signé Iguan, Iggy Pop. Would you mind singing Louis Louis? Yeah, I'd love to sing Louis Louis. Ok, yeah. on All y right. va. Iggy Pop. Okay, Louis yeah. Louis. That's perfect. Come plus fort, s'il vous plaît. Hey. Thanks a lot for coming. Thank you. For having me, man. There is your album, and there is your song on another album, a French one. Yeah, the Rhythm at Sukkot, you mean? Yeah. I think it's on the album.
Okay, let's wait. Let's wait the album. Okay, il a enregistré. Fred, Catherine, is it on your album? We ask Catherine. Okay, il a chanté une ou deux chansons avec Catherine d'Erita Mitsuko sur le prochain album, peut-être d'Erita Mitsuko, mais sinon, en attendant, précipitez-vous sur l'album d'Iggy Pop et allez le voir au Zénith. Thanks a lot for coming to that program, Iggy. We love you. Venez tous là, s'il vous plaît, ceux qui ont participé à cette émission, passez une très bonne soirée sur France 2. À la semaine prochaine avec les Bee Gees. Bye bye, merci, bonne soirée. Ciao. Venez là, je vous prépare. Bouleversante et bouleversée de Steven Spielberg. Et les gars.